le début et la fin du royaume de Dieu, c'est le début et la fin de l'Église, c'est la même chose. C'est le début et la fin de notre foi, c'est la même chose. C'est Jésus. Le centre de ce qu'est le royaume de Dieu, c'est la personne de Jésus. Le royaume de Dieu est ouvert pour vous, là, pour les brûlés, pour les affligés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont de la peine, pour ceux qui ont tout gâché. Le royaume est ouvert maintenant. En fait, je ne suis pas juste faible pour être faible. Je veux reconnaître que, Seigneur, je m'ouvre à toi, à ta grandeur, pour te laisser toute la place. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, un prophète, pour marquer ta génération. Yes, tel qu'annoncé, vous savez, à l'automne 2014, j'ai décidé d'inviter quelques amis qui sont vraiment des leaders au niveau du Québec, qui ont une influence. Et ce matin, je suis très, très content de vous présenter notre invité. C'est quelqu'un qui... notre ministère est un peu parallèle. On était pasteur de jeunesse en même temps. On a siégé au niveau du leadership québécois jeunesse en même temps. On a implanté une église à peu près en même temps. On est pasteur d'église principale en même temps. On est à peu près débordé en même temps. Et c'est quelqu'un vraiment qui, au niveau de l'Association chrétienne par francophonie, qui donne un leadership. Vous savez, pour ceux qui savent moins, on ne le mentionne pas toutes les semaines, on a une famille d'églises. On croit que c'est important d'être redevable, non seulement en tant que pasteur, en tant qu'église, donc de travailler avec d'autres églises. Et ce mouvement-là s'appelle l'Association chrétienne pour la francophonie. Il y a plusieurs églises. Et cette semaine, pasteur Christian et moi, on a été revotés sur le CA, donc pour 2 années encore. C'est quelqu'un qui donne un leadership au niveau de l'implantation d'églises au Québec. D'ailleurs, lundi, il y avait une formation organisée par pasteur Christian pour l'implantation d'églises. C'est quelqu'un vraiment qui s'occupe, qui a à cœur. Et son église est le fruit que c'est encore possible d'implanter au Québec et c'est encore possible de voir des églises qui font la différence. Nous, ici, on est en multisite. Eux l'ont fait, mais différemment. Pasteur Christian, son église Mosaïque est au centre-ville. Une église vraiment qui est proche des démunis, une église qui grandit rapidement. Il fait une réunion au centre-ville. Après ça, il va dans l'après-midi faire une réunion dans une église catholique. Wow! Donc, dans une église catholique, la messe catholique termine. Pasteur Christian arrive avec son équipe, donne un high five aux prêtres et font une réunion. Élève le nom de Jésus, ça ressemble à ça, ouais, à peu près. Et en soirée, ils sont sur le campus de l'Université Laval. Donc, vraiment, ils font vraiment, vraiment une œuvre merveilleuse, non seulement à Québec, mais qui a une influence partout. C'est un modèle, c'est une inspiration. C'est quelqu'un qui est marié depuis 20 ans. Ça, je pense que c'est ton plus grand accomplissement. Marié depuis 20 ans. Sérieusement. Il a 3 filles, Juliette, Eliane et Zoé Samuel. C'est quelqu'un dont le seul défaut, c'est d'espérer le retour des Nordiques, mais ça, c'est autre chose. Et parlant de Québec, ce que je trouve vraiment intéressant, très sérieusement, c'est que pasteur Christian, au niveau de la table de l'Association chrétienne pour la francophonie, c'est vraiment une voie pour... Vous savez, souvent dans la région de Montréal, on est très centré sur notre manière de faire et il y a différentes réalités au Québec et c'est une voie pour les régions, c'est une voie pour d'autres grands centres que Montréal et ça l'amène vraiment à un équilibre qui est sain. C'est un homme qui est simple, c'est un homme qui est vrai, c'est un homme qui est authentique et je suis très content qu'on le reçoive. Donc, Église de Portail, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement pasteur Christian Lachance? Bon matin, Portail. Merci de m'accueillir. Portail Terrebonne également. Bien content d'être avec vous ce matin. Merci, pasteur Guétin et toute l'équipe du Portail pour l'accueil et l'invitation. C'est très apprécié. Maintenant, il y a quelque chose que pasteur Guétin n'a pas nommé, mais qui nous lie. Oui. Il y a au moins 3 personnes ici avec lesquelles j'ai un lien particulier. Ah. Oh, là, j'ai votre attention. Je suis content, parce qu'après ça, je vais pouvoir prêcher. La première personne, c'est pasteur Philippe de la Fuente et son épouse Marie-Ève. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'avant de déménager dans la grande région de Montréal, d'être pasteur repentinien et ainsi de suite, bien, pasteur Philippe était à Québec. On était dans la même jeunesse. Quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 18 ans, une de mes premières amies dans le Seigneur, c'était Marie-Ève, son épouse. J'ai vu pasteur Philippe et Marie-Ève se marier et comme bien d'autres quitter la région de Québec.
Et c'est pour ça qu'on veut que les Nordiques reviennent, les gens vont revenir, il va y avoir une saine rivalité et enfin, on va pouvoir gagner quelque chose. Alors, ça fait longtemps que je connais le pasteur Philippe et Marie-Ève, des gens que j'apprécie beaucoup. La deuxième personne, c'était celui qui faisait la louange ce matin, pasteur Maxime. Les gens de Terrebonne, votre pasteur Maxime, je le connais depuis très longtemps. Comment tu peux le connaître? Il n'est pas parti de Laval, lui. Vous avez raison. Mais pendant 11 ans de temps, ma femme organisait un camp pour enfants dans la région de Québec. Et pasteur bébé Maxime, quand il avait 7, 8, 9, 10 ans dans ce coin-là, est venu au camp. C'était un des jeunes du camp. Et moi, j'animais les chapelles à cette époque-là et ma femme organisait le camp. Et Maxime était là comme enfant, comme jeune participant. Alors, c'est un lien qui nous unit. J'ai une photo d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une blague avant la réunion. J'ai la photo compromettante. Est-ce que je peux la mettre avant? Mais il n'y en a pas. Et la troisième personne, bien, c'est le pasteur Gaétan. Il l'a mentionné, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il l'a mentionné, il a été pasteur de jeunesse en même temps. Lorsqu'il était pasteur de jeunesse à Laval, j'étais pasteur de jeunesse à Québec. Et une fois, on a fait une retraite de jeunesse, mais on a décidé de la faire dans les murs de l'église. Et j'ai invité le pasteur Gaétan à être notre prédicateur. Et il vient, et là, il prêche le vendredi soir, et là, il prêche sur le péché, comment le péché peut détruire nos vies, et ainsi de suite. Et il avait amené une poubelle en métal, et il a dit, écrivez vos péchés, les jeunes, sur des papiers, tout ça, mettez-le dans la poubelle. Il a mis le feu dans la poubelle, ça a brûlé le tapis. Je le réinvite, malgré ça, et décide de reprêcher sur, justement, comment que le péché nous enveloppe et est puant, et ainsi de suite. Il y a un problème avec le péché, mais bon. Mais, non, c'est une blague. Mais il arrive au prêcher et il sort d'un sac qu'il avait arrêté dans une poissonnerie avant pour acheter une pieuvre. Comme illustration, mais une pieuvre morte. Et là, il sort la pieuvre. Regardez comment c'est dérable. Là, ça sent. Pour ceux qui ne savent pas, là, la pieuvre, c'est aussi, sinon pire qu'une moufette. Et là, on est dans l'église. Et il sort la pieuvre, ça fait son illustration, et les jeunes sont touchés, tout ça. Et ensuite de ça, on va jeter la pieuvre dans les poubelles en bas, lave les mains. Et pendant des jours et des jours et des jours, ça a senti épouvantable dans l'église. Et là, c'est qui qu'on vient voir? Lui, il est reparti chez lui à Laval, comme, j'ai fait une bonne réunion, ça a bien été, je suis content. Et moi, j'ai été obligé de justifier l'odeur. Imaginez, ouais, mais une pieuvre à quelque part, là. Je ne sais pas trop comment elle est atterrie là. Alors, quand le pasteur Gaétan est passé chez nous, j'étais obligé de me justifier les semaines d'avant pourquoi il avait passé. Mais sérieusement, j'apprécie beaucoup. Et c'est des petites choses que vous ne saviez pas. Et pour ces raisons-là, il y a un lien qui nous unit quand même. Et ce matin, vous savez, lorsqu'on on se prépare, il y a toutes sortes de choses qui viennent à notre esprit, dans notre cœur. Et quand je me préparais, il y a toujours la même chose qui revenait. Et c'est un sujet, un thème que j'ai particulièrement à cœur. Et c'est sur l'aspect d'être unique. Dans un des chants de Switchfoot, ça dit « Nous avons été créés pour vivre tellement plus. Peut-être vivons-nous avec les yeux à moitié ouverts. » Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi je suis venu à la connaissance de Jésus, je suis entré dans une manufacture de chrétiens. À cette époque-là, il y avait un silo, il y avait deux catégories de chrétiens, les bons et les pas bons chrétiens. Habituellement, comme dans les films, on ne veut pas être dans la catégorie des pas bons, alors on s'arrange pour être un bon. Et là, on rentre dans un moule et on se rend compte au bout d'un certain temps qu'on est tous un peu pareils, identiques. On est tous identiques et il faut tous répéter les mêmes choses. Lorsque j'ai commencé à entrer au collège biblique et pour être dans le ministère, il y avait une ligne directrice. Pour être un bon prédicateur, voici comment il faut que tu prêches. Pour être un bon pasteur, voici comment il faut que tu prêches. Et tout ça, et je suis entré là-dedans. On dit, oh, moi, j'étais jeune dans le ministère. Et OK, oui, il faut que je fasse ce que je veux. Je veux être un bon. Mais à travers ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu avait en tête.
Dieu est un Dieu créateur. Est-ce qu'on le croit ce matin? Dieu nous a créés. Et une des choses les plus incroyables, savez-vous c'est quoi? On regarde ici autour de nous ce matin, et il n'y a pas une personne qui est pareille. Non seulement ça, peu importe où on va voyager sur la surface de la Terre, chaque être humain est unique. Ça, c'est incroyable. Chaque être humain est unique. Créé à l'image de Dieu. Mais souvent, on a confondu créé à l'image de Dieu comme étant tous pareils. Il faut tous agir et être identiques. Ironiquement, lorsqu'on parle de la personne de Jésus, on dit qu'il faut avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez, tout le monde en a déjà récité ça à quelqu'un, hein? Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde, et là on change le monde. Hein? Dieu a tant aimé Paul, Jeannette, Pierrette, Paulette. Je ne sais pas pourquoi c'est tous des noms à être. Mais bref, on veut que les gens s'approprient, disent, le monde, c'est oui, Jésus est mort pour tout le monde. Mais on dit, si c'était la seule personne sur la surface de la terre, Jésus serait venu pour toi, il serait mort pour toi. On essaie de rendre ça personnel et unique, mais en même temps, lorsqu'on fait notre pratique de tous les jours, on tend à vouloir être pareil que les autres. Et jamais dans une époque étrangement aussi informée que la celle dans laquelle on vit présentement, la pression pour se conformer est là. Cette année, le prix Nobel de la paix a été décerné à une jeune fille de 17 ans, si vous ne l'aviez pas vu passer. Cette jeune fille-là, Malala Yousafzai, a dit « Ça ne me dérange pas si je dois être assise par terre à l'école. Tout ce que je veux, c'est une éducation. Je n'ai peur de personne. » Savez-vous pourquoi elle a écrit ça? C'est une Pakistanaise où on interdit l'éducation aux jeunes filles. C'est réservé aux garçons. Et elle a dit « Ça en est assez. » Il ne peut pas passer une autre génération sans que les jeunes filles aient accès à l'éducation. Dans les années où on vit, c'est impossible. Et elle a décidé de commencer à militer contre ça et dire, je réclame que pour mon peuple, les jeunes filles aient accès à l'éducation. Le 9 octobre 2012, elle a été victime d'un attentat, elle a reçu une balle à la tête. Elle s'est ramassée à l'hôpital, l'opération, tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais reçu une balle à la tête, si ce matin je sortais, puis parce que j'ai prêché Jésus, je recevais une balle, je serais un peu ébranlé. J'aurais un peu peur. Et je me dirais, ouais, là, il faut que je me recentre un peu, peut-être que je vais me calmer pour un certain temps. Mais elle, suite à ça, dans un pays tel que le sien, elle a déclaré, je n'ai peur de personne, publiquement. Aujourd'hui, elle a été exilée, elle ne vit plus au Pakistan, mais elle continue de militer et c'est la plus jeune prix Nobel de la paix. Vous allez dire, c'est quoi le lien? Elle est chrétienne? Non. Mais étrangement, des gens comme cette jeune femme qui n'ont pas Jésus ont saisi le caractère unique pour lequel ils ont été créés. Dans un endroit où le conformisme est de mise, elle a décidé de se lever et de dire, c'en est assez. Je n'ai pas été créé pour cela. Je ne vis pas pour cela. Je ne peux pas accepter cela. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, on vit une pâle copie de ce qu'on pourrait être. Aujourd'hui, on nous dit, voici à quoi tu dois ressembler, voici qu'est-ce que tu dois faire. C'est un monde de copies. Hein, comme Vidéotron il y a quelques années, une tonne de copies. On a des tonnes de copies. Et des fois, on pense que la vie, c'est comme ça. On a juste à faire notre petit bout de chemin
Et on a été, hein, on est né pour un petit pain. Hein, les Québécois, on est né pour un petit pain. Je ne crois pas que c'est le cas. Et je crois sincèrement que chacun d'entre nous, on a été créé pour quelque chose de spécifique et de particulier. Dans Romains 12, 2, vous connaissez bien le passage, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et souvent, lorsque j'ai entendu ce passage-là, lorsque j'étais au début de ma vie chrétienne, souvent, ne conformez pas au siècle présent. C'était quoi? C'était, hey, faut plus que t'écoutes la télévision. Sors la télévision de chez toi. Va pas au théâtre. Fais pas ci, fais pas cela, fais pas... C'est ça, se conformer au monde. Et on s'est limité à penser que se conformer au monde, c'était simplement avec des pratiques externes. Quand, en fait, la philosophie du monde, des fois, est beaucoup plus ancrée en nous que ce qu'on peut faire à l'extérieur. Et le mot « conformer » ici, c'est d'être bâti ou d'être formé avec les principes et les habitudes d'une société qui nous entoure. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Et des fois, on dit « Ah, moi, je ne fais plus partie du monde, j'appartiens à Jésus. » Et pourtant, dans tellement d'aspects, on se conforme dans notre philosophie de vie et dans cet aspect-là, de simplement pour plaire à d'autres, pour être accepté, pour faire partie d'un groupe, pour que les gens nous aiment. Parce qu'un tel a du succès, je vais copier ce qu'il va faire parce que je vais peut-être obtenir le même succès au lieu de saisir, de dire, « Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi j'existe, moi? » Vous savez, avec Internet aujourd'hui, c'est ça. On regarde à gauche et à droite et on se compare et là, on se compétitionne et on dit, « Ah oui, un tel fait bien, bien moi, je vais faire ça. » Il y a tellement de recettes de succès, de toutes sortes de choses, de régimes, de ci, de ça. Il faut que, voici tout ce qu'il faut. Si je réussis à faire tout cela, je vais devenir un paquet de toutes sortes de choses, mais pas ce que Dieu m'a créé. Et je crois que c'est un des pires péchés, c'est de ne pas être ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que mon péché, c'est quoi? C'est de manquer la cible, manquer le but. C'est ça, hein? Les gens à Terrebonne, c'est ça? Oui? Ils sont très silencieux ce matin, je trouve. Mais c'est de manquer le but. Et je crois que manquer le but ultime, c'est de ne pas être et de ne pas faire ce pour quoi Dieu m'a créé. C'est aussi simple que ça. Dans Éphésiens 2, 10, l'apôtre Paul va dire, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Et des fois, on voit ça simplement sur quelque chose de global. Mais on ne s'arrête pas à savoir que Dieu, d'avance, dans son omniscience, son omnipotence, a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous, pour Paulette, pour Yvette. Les mêmes que tantôt, c'est plus facile de reprendre les mêmes. C'est moins mêlant. Alors, je m'excuse à toutes les Paulettes et Yvette dans la salle. Mais c'est plus facile de penser en termes, mais de s'arrêter de dire, « Seigneur, il y a des œuvres que tu as préparées pour moi, pour ma vie. » Et des fois, le problème, c'est qu'à cause de ce que j'ai vécu dans le passé, à cause de ce que je vis présentement, je me dis, « Seigneur, ce n'est pas pour moi, tu n'as rien pour moi. » Combien de fois vous vous êtes dit ça? Qu'on s'est dit ça? Et à la place, c'est plus facile d'être une copie. D'être un émule de quelque chose d'autre, d'être dans l'ombre de quelque chose. Et ici, je ne parle pas de faire la première page d'un magazine, de gagner à Star Academy ou un truc comme ça. Dans ma vie, simplement là où je suis, Dieu m'a créé pour quelque chose. Et peut-être que présentement, je suis en train de passer à côté. Parce que je fais plein de choses, sauf ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que je ne me suis jamais arrêté à me poser la question, à prier, à demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi je suis ici? » Et aussi, simple que, « Pourquoi je vis ici à Laval? Pourquoi je vis ici à Terrebonne plutôt qu'au Massachusetts? Plutôt qu'au Pakistan? Pourquoi? Il y a une raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Seigneur, donne-moi-la. Et je veux m'appliquer à partir d'aujourd'hui de l'accomplir. » Dans 1 Corinthiens 1, 26
à 27, ça dit « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel, il y a parmi vous. » Ce passage-là, ça me touche beaucoup. Ça me rejoint. Ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, et c'est là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu dit, l'apôtre Paul dit ici, Dieu n'a pas les mêmes standards que le monde a pour définir qu'est-ce que le succès. Et le problème, c'est que dans notre philosophie, lorsqu'on se conforme au monde, on regarde à tout ce qui est à l'extérieur qui dit, voici, si tu as du succès, voici ce que tu devrais avoir dans ta vie. Voici ce que tu devrais faire dans ta vie. Voici ce que tu devrais posséder dans ta vie. Et si tu as ces choses-là dans ta vie, voici, tu as du succès aux yeux du monde. Mais ce n'est pas parce que tu as du succès aux yeux du monde que tu as du succès devant Dieu. Tu peux avoir la personne la plus populaire dans la province de Québec et être en train de manquer le but pour ta vie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Étrangement. Wow! On peut manquer le but parce qu'on fait simplement refaire ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous savez, une des histoires que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du roi David. Vous savez, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille pour aller livrer à manger à ses frères qui sont, eux, désignés comme être des soldats. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde se regarde, puis tout le monde, les jambes qui shake, puis et tout le monde tremble, puis lui, il dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, non, personne qui ose parler. Mais tu vois pas, il est assez grand. Et là, il dit, c'est de lui, sérieux, vous avez peur? Mais là, qu'est-ce que tu penses? Je vais y aller, moi. Non, non. Toi, tu viens porter à manger, tu fais le petit chaperon rouge, retourne à la maison. Nous, on est des hommes, on s'occupe de la situation. Mais David avait saisi qu'il n'avait pas été créé pour ça. Et quand il va voir Saül, il essaie de le décourager. Mais il semble qu'il n'y a rien qui peut décourager David. Il n'y a rien qui peut décourager David. Et là, Saül dit, bien là, OK, si tu veux aller, on va être spectateur du massacre. Pas de problème. Vas-y, c'est fine, c'est ta vie. On ramassera les os un peu éparpillés, puis on essaie de recoller le morceau. Mais il dit, garde, je vais te donner mon armure. Qui est la meilleure armure de tout le royaume, c'est le roi Saül qui l'a. C'est lui qui a la meilleure épée, c'est lui. Et quand même, bon joueur, je te passe mon armure. Ah, oh, wow, OK. L'essaye, wow. Je peux pas aller à la guerre. N'auriez-vous une plus petite que je mette en dessous pour qu'au moins que ça... Et de toute façon, si j'en ai deux, j'ai plus de chances devant... Et la surprise de tout le monde, il dit, non, laisse faire les affaires, là, ça marche pas. Ça fonctionne pas pour moi. Et au lieu de dire, voici comment tout le monde me dit que je devrais aller battre Goliath. Tous les principes de l'armée, toutes les meilleures armures qui ont été confectionnées par les meilleurs armuriers du pays, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. À la grande surprise de tous, David se pointe, on connaît toute l'histoire. Et Goliath tombe. Et on s'entend que ce n'est pas à cause de la roche qu'il a lancée. Dieu l'a fait tomber, mais a honoré sa foi. Mais imaginez un instant l'histoire sous un autre angle. Elle n'a pas été écrite, mais j'aime bien des fois m'imaginer quelle aurait été la situation bibliquement cette personne-là n'aurait pas dit ça, cette personne-là n'aurait pas fait cette action-là. Imaginez que David arrive et il apporte la nourriture à ses frères. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Lui, regarde, là. Quoi, là? Hé, misère. OK. Puis vous êtes pas, vous voulez pas? Non. Il y en a juste un qui peut y aller, nous autres. OK, ben voici les pains, fromages, tout ça. Bonne chance. Et David repart chez lui. Ce qu'il aurait pu faire. Mais à partir de ce jour-là, le peuple aurait été assujetti aux Philistins. C'est terminé. Mais David a saisi, dit non, voici
ce que je suis, comment Dieu m'a créé, et je sais, j'ai battu des ours, des lions. Il dit, j'ai battu des lions et des ours à main nue. Sérieux? J'aurais voulu voir ça, là. Écoute, ça, c'est National Geographic. Écoute, ils font un documentaire là-dessus. C'est clair, l'homme qui battait les lions à main nue, ça n'existe pas. Mais lui avait saisi. C'est une des personnes dans la Bible qui a saisi pourquoi Dieu l'a créé. Il a dévié à gauche et à droite, mais il revient toujours à « voici pourquoi je suis là. Voici pourquoi j'existe. » Et l'apôtre Paul dit « considérez, frères, votre propre appel, ce pourquoi vous avez été appelés, et ne considérez pas ce que les autres, que le monde considère pour être sage ou pour être fort. » Parce que Dieu ne considère pas les mêmes choses. Et si tu te considères faible, si tu te considères comme moins que rien, bienvenue dans l'équipe. Tu fais partie d'une équipe gagnante. C'est ça qui est... Non, mais c'est avec Dieu. Je ne connais aucune équipe qui va accepter, qui m'accepterait de toute façon. J'en fais partie. Hey, on gagne. Ouais. Parce que Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Pourquoi nous, on les voit différemment? C'est ça le point. Pourquoi est-ce que nous, on voit les choses différemment? Pourquoi moi, ce que je regarde un tel, lui, il a tel don, tel talent, moi, j'aimerais tellement ça, faire ceci ou cela. Pendant qu'on fait tout cela, on oublie de saisir ce pourquoi Dieu m'a créé et de juste faire cette chose-là. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul avait vraiment saisi ça. Il dit, en effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, quand l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis, ce n'est pas la même connotation que nous autres, on dit, ben, prends-moi comme je suis, sinon, ben, regarde, arrange-toi avec ça, je suis de même. Hein? C'est déjà arrivé, là. Tu sais, un mononcle, je ne te prendrai pas un vieux singe à faire des grimaces. Puis... L'apôtre Paul ici, je suis, le terme ici, ça veut dire, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je suis passé de persécuteur à apôtre, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, pas parce que voici tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, et dit, à cause de la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai saisi ce pourquoi je suis ici. La grâce de Dieu m'a rendu comme je suis ici aujourd'hui pour faire le ministère que je dois faire auprès de vous. L'apôtre Paul l'avait saisi cela. Et j'aime bien cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Sois toi-même, de toute façon, toutes les autres sont déjà pris. » Et des fois, on fonctionne avec des stéréotypes. Hein? Et on pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, voici comment tu dois être si tu es un bon chrétien. Sinon, tu fais partie de l'autre équipe, les mauvais chrétiens. Si tu veux être dans le ministère, un bon pasteur, un bon prédicateur, voici comment il faut que tu sois. Jusqu'au jour où j'ai saisi et j'ai enlevé cette armure-là qu'on m'avait mis sur le dos. Je dis, c'est pas moi, je me sens pas bien dans cela. Et la journée où j'ai saisi le caractère unique que Dieu avait fait dans ma vie personnelle, spirituelle et ministérielle a changé. Et ça fait de, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai saisi ce caractère unique-là. Vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, moi, mon adolescence, je jouais de la musique dans les groupes, j'avais les cheveux ici et tout ça, et là-dedans, et tout ce qui vient avec. Et je viens au Seigneur, la première chose qu'on m'a dit, il faut que tu te fasses couper les cheveux. Ah, OK, bon chrétien, je me fais couper les cheveux, ainsi de suite, et tout ça. Et je rentre dans un dépanneur, et il y a une fille avec qui j'allais au secondaire. Elle me reconnaît, mais elle dit, « Hey, Christian, hey, je salue, ça va, oui, je suis content de te voir, moi aussi. Tu sais, hey, t'as bien changé, hey, tu rayonnes. » Je dis, « Ah oui, ah, c'est fantastique, elle dit. » Il y a quelque chose, je ne saurais pas dire. Elle ne me laisse pas le temps de le dire. Elle dit, « Ah, j'ai trouvé! » Tant que ça, ça paraît tant que ça. « T'es en amour! » Juste du coup, attends que je pense. Non, pas. Oui, ben oui, oui, t'as raison. Ah oui!
comment elle s'appelle? Non, pas comment elle, comment il s'appelle. Vous auriez dû voir son visage. Ça valait 100 piastres. Comme... Ouais. Et quand j'ai nommé le nom de Jésus, vous auriez dû voir son visage. J'étais le dernier à qui a pensé que j'aurais pu être chrétien. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on a des stéréotypes. Dans la vie dans laquelle on vit, on a des stéréotypes. Et quand on arrive à l'église, on a des stéréotypes. Et il faut que les gens fitent à quelque part dans un silo, dans un cadre pour être bien stéréotypés. Et nous, on essaie de trouver, au lieu de trouver notre identité en tant que croyant, en tant que comment Dieu nous a créés, et de créer notre vie, parce que je crois que si Dieu est créateur, qu'il nous a créés à son image, oh, tout être humain est créatif. Des fois, on dit, ah, ça, c'est un artiste, parce qu'il y a un foulard. Il lui fait de la peinture, de la poésie. Oui, c'est bien. Mais on s'arrête et on pense que, ah, ça, c'est des créateurs. Non. Je crois que tout être humain devrait avoir un minimum de créativité parce que Dieu est créateur, il t'a créé à son image. Wow! Et j'aimerais vous raconter une histoire dans la Bible qui me touche énormément, qui est vraiment inspirante, d'un homme qui avait saisi pleinement la raison pour laquelle il avait été créé. Barnabas. Dans Actes 15, les versets 37 à 41, ça dit « Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. » L'apôtre Paul, qui est pour beaucoup, hein? Oh, l'apôtre Paul, sans défaut, sans tâche, le prédicateur parfait, le pasteur parfait, l'implanteur d'église parfait, le stratégiste parfait, le visionnaire parfait. Tout le monde veut être l'apôtre Paul. Et ce passage-là, vous savez, des fois, il y a des passages dans la Bible où on est moins à l'aise un peu et on passe plus rapidement. Et nous, ça nous gêne, hein? Et ce passage-là, il est gênant parce que, non, un désaccord assez vif. On va s'entendre, ils se sont engueulés. Ça, c'est la façon polie de le dire. Un désaccord fut assez vif. Je connais pas, j'ai jamais rencontré personnellement l'apôtre Paul, mais je crois que c'est quelqu'un qui avait des convictions. Quelqu'un qui était déterminé et qui savait où il s'en allait. Lui, il avait saisi pourquoi Dieu l'avait créé. Et on a Barnabas qui... Il passe dans l'histoire et on pense qu'il passe comme ça et qu'il, de façon anodine. Et ici, on a la tendance à prendre parti pour qui? Pour Paul. Hein? Tout le monde a dit désaccord assez vif. Si on prenait un vote ce matin, tout le monde lève la main. Paul, on garde Paul. C'est certain. L'autre est mis en danger. On met Barnabas en danger, puis Paul, on verra pour la suite de l'histoire. On garde Paul cette semaine pour la suite de l'émission. Mais ça dit qu'il y a un désaccord parce que dans un voyage précédent, Paul était parti justement avec Barnabas et il y avait Marc qui était là. Et Marc, à un moment donné, a décidé de bifurquer, de quitter le voyage en question. Et ça a déplu à Paul. Donc, okay, Marc, c'est un pas fiable, Marc, il n'est pas sérieux, Marc, il n'est pas vraiment... Et quand Barnabas dit « OK, on va prendre Barnabas avec nous pour le prochain voyage où on va s'en aller justement en Syrie et ainsi de suite. » Et Paul dit « Non. Toi puis moi, il va, lui, on le laisse ici. C'est, Marc, c'est terminé. Il a eu sa chance, pas de seconde chance. Il est mis au ballottage. Joueur autonome. » Et finalement, Barnabas dit « Non. Tu comprends pas. On part? » Avec lui. Non. Toi, moi, lui, à côté. Et le désaccord est assez vif que Barnabas se dit, garde, c'est pas une option. Soit qu'on prend Marc, ou c'est sans moi. OK, fine.
Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on lit? On continue de lire la suite, les aventures palpitantes de l'apôtre Paul. Et Barnabas et Marc sont où? Fait que c'est Paul qui a raison. Hein? Parce qu'on n'entend plus parler de Barnabas et Marc. Oh, oh, oh! Détrompez-vous. Et j'ai encore une fois votre attention. Et on va faire un retour dans l'histoire. Plutôt dans Acte 4, le verset 36. Ça nous dit « Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre. » On apprend qui est Barnabas. En fait, Barnabas, ce n'est même pas son vrai nom. Il s'appelle Joseph. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas. Ça, c'est intéressant dans l'histoire et ça change complètement la donne. Je ne sais pas pour vous, moi, quand j'étais au primaire, on m'appelait « Monsieur Christy, vous faites de bons biscuits ». C'était ça mon surnom. Et des fois, on donne des surnoms aux gens, mais c'est coquin, hein? À nos enfants. On donne des petits surnoms et c'est juste drôle, c'est anodin, puis ça ne veut pas nécessairement rien dire. Mais ici, ce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Joseph faisait partie des gens impliqués dans le ministère. Mais ce pourquoi il avait été créé, lui, il l'avait saisi. Lui, il l'opérait et c'était tellement présent dans sa vie, c'était tellement visible aux yeux des autres qu'ils ont dit, on ne peut pas continuer de t'appeler Joseph. On va changer ton nom pour ce que tu es vraiment, Barnabas, qui signifie fils d'encouragement. Barnabas, ça ne nous dit pas que c'est le plus grand des prédicateurs. Ça ne nous dit pas que c'est le plus grand visionnaire. Ça ne nous dit pas combien d'églises il a implanté, mais ça nous dit que c'était quelqu'un qui encourageait les autres. Wow! C'était ça son ministère. La raison pour laquelle il avait été créé, c'était pour encourager les autres. Et c'était tellement fort et tellement présent que les apôtres ont décidé, on change ton nom, on t'appelle Barnabas. Et quand on revient avec le désaccord de Paul et Barnabas, on a Paul qui, go, 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 il faut y aller, la mission, il faut développer, il faut défricher un terrain, tout ça. L'autre, il a traîné de la patte, il nous ralentit, on ne le prend pas, on va y, Barnabas, go, go, go. Et on a Barnabas, lui, qui voit Marc et qui est prêt à lui laisser une deuxième chance, qui est là pour l'encourager, pour dire, moi, on n'a pas fini sa formation. Moi, je crois qu'il y a encore, Dieu va faire quelque chose au travers de lui. Paul dit, OK. Si tu veux te retarder avec les encouragements et les patentes, salut Joseph. OK, c'est pas écrit, mais c'est drôle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Timothée 4, 11, on est toujours dans la même histoire, pas les Barnabas. Mais à la fin de son ministère, l'apôtre Paul, malheureusement, se retrouve pratiquement seul. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Il a été maltraité. Il y a des gens qui lui ont fait du tort, des chrétiens qui lui ont fait du tort. Il a été persécuté. Il a vécu une vie. Vous connaissez la vie de l'apôtre Paul. C'est incroyable tout ce qu'il a vécu. Et à la fin de sa vie, il fait une introspection. Il y a des choses qui reprennent du sens. Et dans 2 Timothée 4, 11, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, va dire, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Oh, oh, oh! La donne a bien changé. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on ne les a pas vus, Barnabas et Marc. Ils sont passés où? On s'en balance. L'important, c'est Paul. Mais pendant tout ce temps-là, Barnabas s'est encouragé à continuer de croire en Marc. Et on ne sait pas tout où Marc a pris son importance, mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, l'apôtre Paul, où il est dans le besoin, il a besoin d'être entouré, il a besoin de gens significatifs à la fin de sa vie autour de lui, il va mentionner, s'il vous plaît, Marc m'est utile pour le ministère, amène-le-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que on a 4 évangiles aujourd'hui. Hein? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Seulement Matthieu et Jean sont des disciples de Jésus.
Mais on a l'évangile de Marc, qui est en fait probablement l'évangile de Pierre. Pierre, qui n'avait pas la capacité de bien écrire, Marc écrivait à sa place. Et c'est ce Marc-là. Et si on a l'évangile de Marc aujourd'hui, on le doit peut-être en grande partie à cause de Barnabas, pas nécessairement à cause de Paul. Parce que là où Marc a été sur le côté, Marc était moins bon, Marc il nous a laissé tomber, Marc n'en est pas trop sûr, Marc. Barnabas l'a pris. Et son don, c'était d'encourager. On n'a pas toute l'histoire, mais les brides qu'on a peuvent facilement nous faire tracer un chemin pour dire, Barnabas, il a été là pour lui. Et aujourd'hui, on a l'évangile de Marc, un évangile d'action, l'évangile dans sa... Wow! Ça a du punch. Parce que Marc l'a écrit, parce qu'il n'a pas été abandonné, qu'il n'a pas été délaissé, mais à cause de quelqu'un qui a cru en lui. Steve Jobs, le défunt Steve Jobs de Apple, a dit « Votre temps illimité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. » De saisir notre caractère unique, je vais terminer bientôt. Des fois, on peut saisir cela et dire « Ah, c'est mon moment d'accomplissement. » Il y a tellement de choses qui sont faites sur rêve, accomplis tes rêves. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tellement une société individualiste, tellement axée sur ma performance, sur qui je vais pouvoir dépasser, sur l'accomplissement personnel. Hein? C'est dans la société dans laquelle on vit, l'accomplissement personnel. Et quand on a lu, hein, « qu'on ne vous conformez pas au siècle présent », ça en fait partie. Et malheureusement, des fois, on a saisi que Jean 3,16, c'était justement, on en fait personnel. Jésus est mort pour toi. Il faut que tu aies une relation personnelle, mais on a saisi que ça devenait une relation individuelle. Erreur. Et le fait que j'ai été créé pour quelque chose de particulier, que je suis unique, ne fait pas de moi quelqu'un d'individualiste. Parce que en même temps que Dieu est un Dieu créateur et qu'il y a un but précis pour chacune de nos vies, chacune de nos vies doit compter pour la vie de la personne qui est à côté de moi. Parce que dans la tête de Dieu, c'est une question de relation. Tout est une question de relation, tout est une question de communauté. Jésus n'a pas choisi un disciple. Je vais passer 3 ans avec toi, c'est toi le... Je te donne le flambeau maintenant, change le monde. Il en a pris 12. Et il leur a pas dit, maintenant, c'est sur vous que tout repose. Il dit, non, allez faire d'autres disciples. Parce que ce que j'ai reçu, je ne peux pas le dissocier de ce que quelqu'un d'autre vit. Parce que la raison pour laquelle Dieu m'a créé unique, c'est pour influencer, investir et inspirer des gens autour de moi. Et Barnabas avait saisi cela. Dans Matthieu 7,12, ça dit, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites aussi, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. » Et lorsqu'on saisit cela, lorsque la personne de Jésus, c'est ce que Jésus a fait pendant tout son ministère, ce qu'il faisait, c'était, « Ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, je le fais pour les autres. » Et c'est un des principes bibliques et fondamentaux de la foi de tout croyant, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on me fasse. Ce qui est contraire à la philosophie de ce monde. C'est chacun pour soi et je ne te ferai pas nécessairement ce que je veux que tu me fasses, mais moi, fais-moi du bien, donne-moi, puis en retour, on verra. Ah, c'est vrai. On ne se soucie pas des autres. On vit pour nous. Mais dans l'Église, dans la foi, avec la personne de Jésus, si je m'approche de Jésus, je ne peux pas dissocier ce que Dieu m'a donné avec les autres. Je ne peux pas me dissocier de l'Église. Je suis ici pour une raison, pour un but. Et l'Église existe pour cela, pas pour un individu. Sinon, Jésus aurait dit, l'Église, on s'en balance, tout le monde dans sa cuisine. Mais l'Église existe pour quelque chose et c'est ensemble. C'est chacun de notre caractère unique, mis ensemble, côte à côte, qui fait la beauté et la grandeur de l'Église de Jésus-Christ.
En Matthieu 25, 40, il dit, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » À toutes les fois que vous faites quelque chose à quelqu'un, c'est comme si vous le faites à Jésus. J'aimerais terminer avec cette histoire ce matin. La jeune Lizzie Velasquez, qui a environ 25 ans aujourd'hui. On peut voir la photo. Il y a quelques années, elle a été déclarée sur YouTube la femme la plus laide du monde. C'est sa surprise lorsqu'elle a ouvert YouTube. Plus de 4 millions de personnes avaient vu cette vidéo avec des commentaires désobligeants. Si j'étais à sa place, je me suiciderais. Des choses comme ça. Bon, en fait, elle a une maladie tellement rare que seulement 3 personnes dans le monde ont cette maladie-là. Tout ce qu'elle ingurgite, peu importe le grave, elle peut manger 7 jours sur 7, 3 repas par jour du McDo, elle n'engraissera jamais. Son corps n'est pas capable d'emmagasiner le gras. Elle a perdu l'usage d'un œil à cause de ça. Mais aujourd'hui, c'est une croyante. Mais aujourd'hui, au lieu de se venger, au lieu de réécrire un paquet d'affaires sur Facebook et compagnie pour se venger, elle a juste choisi d'inspirer des jeunes filles à se tenir debout et à ne pas être jugée par son apparence, à ne pas juste être pris par leur apparence. Et elle a dit ceci, « Dieu t'a placé ici pour une raison, il veut que tu partages cette raison, peu importe les circonstances. » C'est ce que je vous encourage à faire la même chose, de saisir ce pourquoi Dieu vous a créé et de le partager, peu importe les circonstances. Qu'on baisse nos têtes quelques instants, qu'on ferme nos yeux. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu si merveilleux. Tu es un Dieu à la fois tellement grand, mais tellement près de nous. Et Seigneur, tu nous as créés, chacun d'entre nous, différents et uniques, avec des dons et des capacités personnelles, un caractère personnel à chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse, qu'on puisse saisir ce pourquoi tu m'as créé et que par la suite, je puisse faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent, que je partage aux autres, que j'inspire aux autres ce que tu as fait dans ma vie, comme Barnabas l'a fait avec Marc. Et qu'ensemble, on puisse voir, Seigneur, de façon extraordinaire, chacun de nos caractères uniques, mis ensemble, qui forment la beauté du paysage de l'œuvre de Dieu autour de nous. Dans le nom de Jésus.